Et dans cette vidéo, on va parler du site Flash Résultats. Donc tu vas me dire peut-être que tu connais déjà le site Flash Résultats, mais je vais te montrer les différences qu'il y a entre la version mobile et la version ordinateur. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, tu peux tout simplement t'abonner, ça te permettra par la suite de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc voilà, comme promis, on se retrouve sur mon écran d'ordinateur. Je voudrais te faire la présentation du site flashresultats.fr. Clairement, je voudrais te montrer les différences qu'il y a entre justement sur l'ordinateur, ce site-là sur ordinateur, et sur mobile. Lors d'un match sur l'ordinateur, on peut voir les buts. Donc clairement, je te montre les matchs qu'il y a eu hier. Donc, par exemple, on va aller sur Watford-Chelsea. La différence qu'il y a, c'est que tu peux voir en vidéo les moments clés de ce match, que ce soit les buts ou les cartons rouges. Donc là, il y a eu un carton rouge et on peut revoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu comprends? Enfin bref, voilà, tu comprends. Tu peux également regarder le premier but, le deuxième but, le troisième but, le quatrième but et le cinquième but. Donc tu peux tout voir et tout cela en direct, en même temps que le match se passe. Donc c'est concrètement, c'est quelque chose qui peut être intéressant si tu ne regardes pas le match ou si tu veux regarder simplement les buts qu'il y a eu ou pas. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Ça c'est une première différence qu'il y a sur ordinateur mais qu'il n'y a pas sur l'application mobile. On va voir une deuxième différence qu'il n'y a pas. Alors, on va revenir. On ferme cette fenêtre. Donc voilà, quand on veut analyser un match, allez, on va partir en Ligue 1. On va prendre un match au hasard. Allez, Bordeaux-Amiens. On va voir, on peut bien évidemment faire regarder les têtes à tête. Ça, bien évidemment, il y est de partout. On peut aller voir les classements. Alors, ce qu'il y a en plus sur ordinateur, ça va être au niveau du classement des plus ou moins de 2,5 buts, plus ou moins de 3,5 buts, plus ou moins de 4,5 buts, etc., etc. Ça, cette option, elle n'y est pas, non. C'est intéressant dans le sens si tu veux parier sur le nombre de buts, par exemple, ça, ça n'y est pas. Donc ici, tu vois que Bordeaux est à 2,5 buts par match. Tu vois que Amiens est à 2 buts par match. Tu vois quoi d'autre? Tu peux voir également, voilà, si au niveau des 2,5 buts, combien de matchs ils ont eu, par exemple. Voilà, Bordeaux a gagné. Bordeaux a eu 9 matchs sur 24 où il y a eu plus de 2,5 buts. Ils ont eu également 15 matchs en dessous de 2,5 buts. Pareil pour Amiens, ils ont eu 6 matchs au-dessus de 2,5 buts et ils ont eu 18 matchs en dessous de 2,5 buts. Donc tu vois, ça peut être intéressant aussi si tu fais une analyse par rapport au nombre de buts. Chose que tu ne peux absolument pas faire sur l'application mobile. Également, chose que je n'utilise pas forcément, mais je sais qu'il y en a qui sont adeptes de ça, voir combien de matchs il y a eu où ils ont gagné la mi-temps et à la fin, ils ont gagné à la fin du temps réglementaire également. Personnellement, je ne regarde pas ça. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément de jouer sur le mi-temps fin de match, mais je sais qu'il y en a qui le jouent, donc je te le montre ici. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce classement? Donc, on voit que Bordeaux, ils ont gagné la première mi-temps, mais ils gagnent souvent la deuxième mi-temps. Donc, ils ont eu 8 matchs comme cela. Souvent, quand ils font un nul dans la première mi-temps, ils vont perdre derrière, c'est-à-dire 7 matchs sur 24. Donc, souvent, quand ils sont menés à la mi-temps, ils perdent aussi à la fin du match. Donc tu vois, ça c'est des statistiques intéressantes, mais tu peux faire ça également à domicile. Tu peux regarder ce classement également à l'extérieur. C'est très 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 intéressant. Donc tu vois, ça il n'y est pas, mais ça, ça peut faire toute la différence au niveau de tes analyses, parce que si tu fais tes analyses sur Flash Résultats, parce que moi, voilà, moi personnellement, voilà, je t'avais jamais fait de vidéo à propos de Flash Résultats, mais voilà, j'utilise dans mon analyse énormément ce site. C'est un des meilleurs, sincèrement, et il s'améliore
avec le temps, donc c'est ça qui est intéressant. Ce site, je l'utilise aussi lorsque je fais ma stratégie en live betting sur les over-under. Pourquoi je l'utilise? Parce que c'est un des sites où il y a le plus, je dis bien le plus de matchs en direct. Il y a des matchs en Malaisie, il y a des matchs en Pays-Bas, même en Tanzanie. C'est vraiment un site super intéressant, un site super complet. Également, tu peux, voilà, il y a énormément de sports qui ont été rajoutés depuis quelques années. Tu as les courses hippiques, tu as le cyclisme, tu as même l'e-sport maintenant qui devient très intéressant. Là, le futsal, bien sûr, le hockey sur gazon, le netball, les sports d'hiver. Enfin bref, tu as énormément de statistiques, tu as énormément de choses intéressantes. Et autre chose que je voulais te montrer, il y est également dans la version mobile, c'est un comparateur de cotes également. Tu vas voir. Alors, on va prendre un match, en France, bien sûr. Ouais, Saint-Étienne-Marseille. Et on peut maintenant, on peut également comparer les cotes. Voilà, personnellement, moi je l'utilise pas parce que je ne suis pas sur les bookmakers Argel. Mais si toi, tu es encore sur Argel, ce que je te déconseille et ce que je te conseille vivement, c'est d'aller vite sur les bookmakers.com pour avoir une cote beaucoup plus optimisée. Mais personnellement, voilà, si tu es toujours sur Argel, tu peux également comparer les cotes sur l'Argel. Et ça, ça peut faire toute la différence. Donc clairement, ça te fait gagner du temps, c'est un site qui va te faire gagner du temps, c'est un site qui va te permettre d'analyser correctement les matchs. Donc voilà, personnellement, je l'utilise parce que c'est un site qui me convient parfaitement, qui est facile d'utilisation, c'est en français. Et bien moi, je te le recommande absolument, et notamment la version ordinateur, comme tu l'as vu, il y a une différence assez intéressante, notamment au niveau des statistiques, au niveau des buts marqués et des buts pris. C'est un site super intéressant et tu as pu le voir également, les différences qu'il y a entre le site mobile et le site sur ordinateur. Voilà, clairement, moi je te conseille de rester plutôt sur l'ordinateur et non pas sur l'application mobile, même si c'est facile d'utilisation l'application mobile, mais c'est pas vraiment bien optimisé. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, tu peux mettre un like, ça fait toujours plaisir. Tu peux également partager la vidéo au plus grand nombre. Dis-moi en commentaire si tu utilises Flash Résultats pour faire tes analyses. Si oui, si tu l'utilises sur ton ordinateur ou si tu l'utilises sur une application mobile. Et évidemment, moi, je vais l'analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.